Voilà, merci amis téléspectateurs. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour le compte de votre émission d'actualité avec Moïse Mboui Kabea. Je crois que tu cites la Kakibino que tu ressens la Lubumbashi pour palper du doigt na grand meeting où Augustin Kabuya, le secrétaire général de l'UDPS, va organiser incessamment pour la journée de demain samedi. À la grande poste de la ville de Lubumbashi, je crois qu'on sera là, la communication plus déjà en place, une grande équipe d'avance, j'allais dire, ici est Komaki et Zali Bongo dans Lubumbashi. Alors, donc, qui confond la Kimiaté pour produire les séries des émissions. Alors, je crois que vous avez suivi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivé dans le lobby de la clôture à Makutano. Comment est-ce qu'il a encore rassuré les jeunes, surtout les jeunes entrepreneurs, les Kabo et les promotions dans la Katia Bilingue, et les chefs de l'État continuent à martiner le gouvernement dans les Kabo et les entrepreneuriat et pas à Bajen. Vous avez vu comment la salle était inondée dans Bajen, plus ou moins 5000 jeunes, on va vous dire qu'il partout, on a voulu que la clôture à Makutano. Alors voilà pour cette occasion, mesdames et messieurs, je les réel plaisir à mon ami Amino, le deux jeunes, les leaders entrepreneurs à Wanakati, à ville de Lubumbashi, et Sikanini Toko Sonaba Mingi, dans le Kabo Itali entrepreneuriat. Ce sont de jeunes leaders qui ne sont pas des politiciens, les Lobokoli, mais c'est juste dans la politique, ils sont à la politique, mais ils ont un point de vue dans le Kabo Itali politique qui est en Mboka. Il s'agit de M. le DG Ali Banda, ou Ali Bongo, le directeur général d'une entreprise aussi là, Toko Ebango, aussi les Ali Bongo, la coopérative des mines, Toko Sololango, vraiment naé autour de cette émission. En même temps, Toko Zalabongo, on a un manager Etienne Eumba, ou Azali, vraiment Nabiso, à l'un à large. Restez branchés, même que vous avez Nabiso, ma plateforme Ebele, vous avez Nabiso à travers ma média en ligne, vous avez Nabiso à travers votre chaîne Le Peuple d'abord. Merci beaucoup Naïsraël Mouy d'être là. Merci à mon réalisateur Nita Bakou. Moi, na Congo, Ali Banza, soyez le bienvenu pour une première fois. T'es avec Moïse Mouy dans cette émission. Ça va? Très bien. Très bien. L'habitude de cette émission, c'est de les tourner en lingala, mais je rappelle nos téléspectateurs que ça sera un peu bilingue. Il faut comprendre que nous sommes à Lubumbashi, hein, la langue vraiment la plus fonctionnée ici, c'est le swahili, le français, mais bino webi monsieur dans la lingala, vous dites monsieur sur lingala, on est dans la moderniser moi mon cœur. Ndeko Ali Banza, Bakongo les basons t'as de partout dans le monde. Aux Anani, au Salagani, il a beau cannabis au République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour la parole, monsieur. Un leader est celui qui donne ses objectifs à ses employeurs, ses visions, pour qu'ils puissent y accéder, y travailler. Et aujourd'hui, je vais parler de SILA, qui est Coopération internationale des livres Afrique, qui se matérialise dans la formation professionnelle. Aujourd'hui, chaque jour, nous apprenons. À travers des formations professionnelles, chacun peut apprendre dans son métier concerné. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, partout dans notre ville de Lubumbashi, pour avoir des métiers, il faut apprendre sur le banc de l'école. Il y a des jeunes, il y a des jeunes entrepreneurs. Pour apprendre, nous devons apprendre un métier pratique. On peut créer des emplois pour aider nos jeunes à travailler. Alors, je ne vais pas beaucoup monopoliser la parole. Je vais donner la parole à M. Etienne, qui est le commentaire de SILA, qui peut développer en détail pour faire voir à nos jeunes. Je crois qu'on aura, assez du temps à échanger avec les coordonnateurs, Monsieur Etienne Elouba. Bon, tout fond, on a DG qui m'a pu sauter. Caméra, il a la capacité à comprendre. DG n'est pas habitué, mais on est censé, obligé d'avoir quelques mots par rapport à le Lingekan et le entreprise. On a SILA. Ma question était de savoir, parce que cette émission, elle est tellement suivie, et bah, Congolais, Béli, bah, Jeanne, Béli, on a besoin, bah, SILA, et Zanine, exactement. Même en français, on est galacta, c'est pour les gens qui nous prennent pour la première fois dans la télévision. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une coopération internationale des livres Afrique matérialisée dans le cadre des formations professionnelles.
aujourd'hui, nous devons apprendre les métiers dans les domaines concernés. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent apprendre. Et pour apprendre, nous devons passer au banc de l'école. Mmh. Pas d'une manière théorique, mais d'une manière pratique. C'est ça l'objectif de cela. Est-ce que si la pays a une capitale école au Congo démocratique, tout, vous allez qu'à un partenaire dans la Bissikamus? Cela est situé au centre-ville, dans la ville de Lubumbashi, numéro 765 avenue Lupila, dans la commune de Lubumbashi. Et l'objectif est qu'il soit partout en RDC, dans les 26 provinces, pour aider les jeunes Congolais à prendre des métiers et diminuer le chômage. Et aujourd'hui, quand on parle de formation professionnelle, c'est un métier pratique qui peut aider les jeunes à se développer, à être autonome. Mmh. Comme je vous l'ai dit, un leader est celui qui donne ses visions à ses subalternes pour qu'ils puissent aussi remonter de nouveau. Voilà, nous avons pu former les gens. En quoi exactement? Vous parlez beaucoup de la formation, vous parlez beaucoup de l'encadrement de la jeunesse. Nous avons différentes filières. Ok, entre autres. Comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas monopoliser la parole. Mmh. Et c'est pour cela que je vais laisser la parole au coordonnateur. Il y a différentes filières qu'on a pu former. Comme l'indique l'image des vidéos qui va passer tout à l'heure, ça indique comment nous avons formé les gens dans les différentes filières. Voilà, je crois que M. Israël va nous aider. On va souffler un peu le temps de prendre ce qui a été collation de grade il y a Bandeko à Union africaine. Babilengue tout, Bazaraki, Nativité Oana, il y a eu des gens Bazaraki collés, Bazaraki n'a honneur Joana. On prend cette vidéo, vous comprenez que moi, matière est belle, ils n'avaient pas Cordon Etienne, dans une vidéo où on se retrouve juste après pour analyser avec le manager coordonnateur Etienne, surtout plus. Entrer en profondeur dans le Cabo Italie, entreprise Oyo, si la Rezali, basée dans la ville de Lubumbashi, précisément la commune Père Lubumbashi. C'est parti. Double cérémonie au sein de la Corporation internationale de formation professionnelle en Afrique, coordination de la République démocratique du Congo, CFPA-RDC en sigle. Il s'agit de la clôture de la première édition de formation ainsi que de la remise des certificats et collations de grades. Prenant la parole, les coordonnateurs provinciaux de la CFPA-RDC, Étienne Elumba Kongolo, a présenté la CFPA-RDC tout en remerciant les partenaires, les gouvernements central et provincial en particulier. Dans son allocution, il a également énuméré les difficultés auxquelles ils sont butés et achutés par quelques projets qu'ils comptent réaliser. Et contribuer de façon progressive dans le domaine du développement, mais aussi pour contribuer de façon progressive et irréversible à inverser la tendance sans cesse croissante du spectre de la pauvreté dans les différentes couches de la population. En effet, c'est dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui incarne et matérialise cette vision de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons, avec ses programmes qui offrent aux jeunes Congolais des opportunités de formation gratuite. C'est dans ce cadre que plusieurs personnalités de la province ont rehaussé de leur présence. Après la présentation des invités, puis viendra la collation des grades et la remise des certificats faites par les secrétaires administratifs de la CFPA-RDC au Katanga. Un moment qui a ambiancé c'est toute la salle, sans laisser indifférent tous les respirants d'air. La formation a été très bénéfique pour nous parce que nous avons appris, nous avons ajouté quelque chose à ce que nous connaissons et cela va nous servir. Pour moi, par exemple, j'ai fait le management et le marketing. Cela va me servir dans le futur afin de devenir un bon cadre dans la société. Et nous avons eu des techniques, les techniques capables de lutter contre la corruption. Vous savez, en ce jour, avec l'Union africaine, le président de la République, on est en train de parler des antivaleurs. Et nous devons nous allier derrière notre chef de l'État.
Signalant que c'est au cours de cette même cérémonie que les coordonnateurs de la CFPA RDC au Katanga, Étienne Elumba Kongolo, a déclaré ouverte la deuxième édition de formation. Voilà, merci beaucoup amis téléspectateurs. Je crois que télévision et la radio télévision Obaka, nous venons de suivre ensemble collation des grades académiques aux Ali Bongo organisée par l'Union africaine. Bomoni Bandeko Asi la Mazalaki, Bandeko ya Lubumbashi, c'était un peu Deko Bajen, Yabakwa Mwa Ebele. Maintenant, nous sommes de retour sur ce plateau pour nous rencontrer les coordonnateurs, managers et tiers pour faire service au plus de détails. D'abord, monsieur le coordonnateur, soyez le bienvenu pour la première fois dans le plateau de la mission. Merci, c'est un plaisir pour nous. Très bien. Alors, votre présentation, la bateau Basuli Bakou, qui est monsieur Etienne et Lumba, à Sarakani, il est vraiment en RDC et puis la ville pour ici à Lumbashi, la ville à Lumbashi. Voilà. Oui, monsieur Etienne qui est devant vous, je m'appelle Etienne Elumba Kongolo, manager de la Corporation internationale libre d'Afrique. Nous sommes basés à Lubumbashi comme notre siège national, aussi siège international, mais nous sommes aussi représentés partout en RDC, mais dans d'autres pays aussi du monde qui nous prennent pour nous solliciter des formations, bien sûr. Très bien. Alors, avec le DG, on n'a pas vraiment pu le temps de pouvoir échanger à profondeur. Vous, c'est vous qui coordonnez les choses. Ce que nous venons de suivre, pourriez-vous nous expliquer, c'était quoi exactement? Collation des grades, Union africaine, les Alaki Nini. Est-ce que les Alaki sont organisés par SILA, les Alaki sont organisés par l'Union africaine, et sont organisés par la République démocratique du Congo? C'était quoi vraiment? Parce que Yolo Ali, moto à SILA, organisation à Makambo SILA. Merci. D'abord combiner moi l'immigration. Allez-y, ça c'est quoi pour les gens? Bah, on est des pères et des mères. Oui, tous ça des pères et des mères. Mais tout ce que j'ai vu, c'est que la lingala très très bien. Très bien. Donc forcément, parce que la langue nationale, bien sûr. Tout à fait. L'activité, très bien. Il s'agit de la collation des grades et de remise des brevets internationaux. C'est comme mon prédécesseur Michel, il venait de le dire. Très bien. Ici, c'était question d'une activité fusionnée, donc en partenariat avec l'Union africaine. Cette activité cadrée surtout pour appuyer les actions du chef de l'État à la tête de l'Union africaine, parce que l'Union africaine poursuit des objectifs tels que l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons, l'Afrique basée sur un développement intégral de l'homme africain. Pour l'Afrique, nous pensons que pour développer l'Afrique, il faudrait d'abord plus former l'Africain. Celui qui ne connaît pas doit apprendre, celui qui connaît doit transmettre. Très bien. C'est un peu ça. C'est, dans cette activité, on avait fait des formations professionnelles depuis des 2500 jeunes gratuitement. Okay. Nous avons appuyé les chefs de l'État. Très bien. Mais nous nous sommes dit que c'est le bon moment aussi que les chefs de l'État sachent qu'à Lubumbashi, il y a des jeunes qui sont à politique. Très bien. Qui l'ont accompagné à la tête de l'Union africaine. Nous l'avons fait parce qu'il il en valait de l'honneur de notre pays. Très bien. Parce que ça fait plusieurs années, après si j'ai une bonne mémoire, depuis le président Mobutu, qui était président de l'Union africaine. Plusieurs années après, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui revenait a pris le commandement en 2021 sur la cour des grands, le continent africain. Et nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas manquer cette opportunité. Nous pouvons appuyer les actions du chef de l'État et nous l'avons fait. Et je pense que la vidéo en dit trop, ce n'est pas un montage, c'est à Lubumbashi. Très bien. Alors, on va dire des vérités à la télé parce que nous sommes les quatrièmes pouvoirs. Là où vous n'arrivez pas à toucher ou à saisir les autorités, il faut utiliser les médias pour que le message soit véhiculé et puis qu'il y ait des résultats attendus, comme lui-même le chef de l'État égorge dans toutes ses tribunes, que ce soit à la Nations Unies, que ce soit, je ne sais pas moi, en Europe, ainsi de suite. Le chef de l'État promet de faire la promotion là-bas, jeune Yabilégué. Vous, en tant que jeune entrepreneur, ça vous fait comment la tribune Nyon sur mon compte Zambo, Bazo, Beta, c'était et incessamment, via même l'ordonnance, nommant le nouveau DG de PCA, on a remarqué que la jeune Ebélé Bakoti. Quel est votre message, étant coordonnateur puis entreprise, Moko, aux enquêtes entrepreneuriat de jeunes? Je tiens d'abord à féliciter le chef de l'État pour. D'abord, la confiance placée à la jeunesse congolaise.
Je félicite aussi les jeunes qui ont été promis déjà dans différentes institutions. J'ai dit maintenant représentez-nous parce qu'on a fait beaucoup de bruit. Très bien. Nous les jeunes, on a utilisé ces mots dans les partis politiques. Mais voilà. Sachez que vous avez une double responsabilité de bien représenter cette jeunesse, voilà. Mais aussi de réussir avec les chefs de l'État. Tout à fait. C'est ça au moins le message. Je peux dire, le chef de l'État peut encore compter pour, sur plusieurs jeunes. S'il a pris 5 jeunes, 100 jeunes, sur l'ensemble des jeunes congolais qui se focalisent aussi dans des provinces. Très dans bien. Des provinces. Que ça ne soit pas seulement Kinshasa. Ça ne soit pas seulement Kinshasa voilà. Qui est représenté tout ça non plus. Que les chefs de l'État aussi puissent quand même regarder dans d'autres villes comme Bujumayi. L'Est de la RDC, Lubumbashi, donc l'ensemble de la RDC pour que nous tous aussi soyons vraiment autour du chef de l'État pour l'aider à matérialiser sa vision. Très bien, mais est-ce que beaucoup de gens peuvent se poser des questions pour savoir si là, votre entreprise, est-ce qu'elle est connue par l'État congolais? Est-ce que vous avez des sièges nationaux? Est-ce que vous avez des documents qu'il faut, qui vous donnent l'autorisation d'être une entreprise? Parce que nul ne peut être déçu de la loi. Est-ce que si là, est connue par l'État congolais? Merci beaucoup. Je rassure ici pour les téléspectateurs et téléspectatrices voilà. Que si là est une entité des droits congolais qui essaye d'accompagner les actions et missions de l'Union africaine selon l'agenda de 1963 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Nous sommes basés plus sur les formations professionnelles. Et dans les formations professionnelles, nous sommes plus axés sur les métiers du présent et les métiers du futur. Avec l'évolution de la technologie, nous pensons que si on doit avoir des astronautes en RDC, s'il a pu former ses astronautes. Si on doit former des pilotes, très bien. Nous pouvons les faire. Mais pour y est-ce que s'il a des expériences, parce que nous connaissons dans notre pays, hein, on parle de ce qui y ait de l'expérience, la qualité, la performance. Vous êtes des jeunes. Est-ce que s'il a des personnes qui passent des formations à travers les jeunes, c'est vous-même des jeunes ou soit vous appelez des experts qui sont payés peut-être à la fin du mois pour donner l'encadrement à nos jeunes? Avant d'être formateur chez nous, nous passons par une remise à niveau des formations des formateurs qui nous permet de recruter des bons formateurs. On peut dire vous êtes professeur d'université, c'est bien, mais vous avez la théorie, peut-être vous n'avez pas la pratique. Tout à fait. Je vous ai dit ici, même M. Ali, lorsqu'il disait, nous ne sommes pas dans la théorie, nous sommes dans la pratique. Montrez-nous que vous êtes médecin. L'homme est là, il s'allonge. Très bien. Ok, vous faites les check-ups, voilà. Ça. Dites-nous que vous êtes chauffeur, le véhicule est là. Voilà. Voici les donc, ce sont des pratiques qui se pratiquent chez Stida. Voilà. Ok. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous avons formé dans plusieurs domaines. Je veux beaucoup, peut-être quand nous allons entrer dans les domaines, que nous sommes unique corporation. Unique. Unique. Au Congo. Ici, à Lubumbashi ou au Congo? Au Congo. Corporation internationale libre d'Afrique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Ah, bon, ça, c'est une découverte, amis téléspectateurs. L'unique au Congo. Coopération internationale de l'Union africaine, c'est ça? Oui, coopération internationale libre d'Afrique. Libre d'Afrique. Coopération de l'Union africaine. Ah! Voilà. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Mais question, M. Ezali, le cannabis s'est passé matin, midi, soir, il y a accompagnement du gouvernement. Bon, mon entrepreneur, le jeune, il a une ambition, il a une ambition. Mais l'État n'accompagne pas les gens. Il faut des relations, il faut songolo pakalaoza la parenté na mutu songola zaina politique pour que makambu etambola. Mais est-ce que si la population service a beaucoup de difficultés énormes na makambu etali peut-être regarder ba marché, makambu etali ba document mususu que vous représentez la démocratie du Congo. Est-ce que jusque là vous avez des difficultés qui vous a engorgé par rapport à votre entreprise? Solo va discuter ça vraiment évidé parce que il y a solo on est congolais, on est entrepreneur congolais, mais pour qu'on nous donne la chance de faire ce que les Congolais peuvent faire d'abord au Congo et pour le monde entier, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Ok. Nous écrivons des lettres, nous sommes même pas libres. Vous écrivez comme ça, vous dites bon,
Là, vous déposez à qui des droits ou bien vous écrivez des lettres pour notre site à bureau de la commission. Je crois que vous allez passer à notre bureau. Très bien. Vous verrez plus de 500 lettres. 500 lettres. 500 lettres pour la vie de Lubumbashi. Seulement. Oui. Mais pas des. Mais même pas accusés de réception. Il y a des accusés. Mais on ne répond pas favorablement. Mais si l'État quand même peut se baser sur ça. Nous sommes là pour aider l'État congolais. Très bien. C'est là qu'ils sont dans un métier. Et l'État doit vous accompagner aussi. Impérativement. Très bien. En tant que l'État congolais, parce que ce que nous faisons, c'est pour contribuer au développement de notre pays. Très bien. Parce que ceux là qui sont dans des boulots, il y a des papas qui ne savent que les machines à écrire. Mais nous pouvons les amener, les techniques récentes, oui. Comment utiliser les outils de la nouvelle technologie de la communication de l'information. Mmh. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, dans des entreprises minières, comment, par exemple, utiliser des matières, l'utilisation des matières chimiques dangereuses. Très bien. Nos jeunes se brûlent les mains. Okay. Les autres se coupent même les doigts. Mmh. Ils meurent même pendant qu'ils sont en train de chercher les plus petits pains qu'ils sont en train de rechercher. Donc, on a recruté ces jeunes, mais il faut des entreprises qui encadrent ces jeunes, leur disant que ici, ne touchez pas ça. Ce sont des produits chimiques dangereux. Très bien. Mais ils sont là dans des entreprises et déjà, lorsque ces jeunes-là se retrouvent dans cette difficulté, là, ils se retrouvent abandonnés à son propre sort. Là, c'est tout à fait compliqué. Je crois que l'État congolais doit nous aider. Je disais, par rapport à la loi de la sous-traitance, je demande vraiment au gouvernement congolais de nous aider, de nous accompagner. Que nous soyons dans les bases de données des entreprises minières et aussi des entreprises commerciales parce que nous sommes capables de former à tous les domaines. Je rappelle ici qu'à Lubumbashi, si elle est en train de former la RTNC. À Lubumbashi ? À Lubumbashi, la RTNC. La Radio-Télévision Nationale Congolaise. Oui. De quelle manière, expliquez-nous un peu s'il vous plaît. De quelle manière s'il est en train de former ? Voilà, en rédévance. En rédévance. Oui. Ok. Voilà, j'aimerais maintenant qu'on puisse prendre les domaines parce qu'on fait signe déjà. On va chiter, on va prendre aussi quelques réalisations, mesdames et messieurs. Yassila, on va visiter les bureaux, on va voir si réellement l'entreprise est bien assise, si vraiment l'entreprise a ça pour répondre à nos critères, ou c'est gagné, voilà, pour c'est accompagnement et un gouvernement d'un biseau national, temps provincial, pourquoi pas, parce que les Alibongo n'ont qu'à sa ville de Lubumbashi. Mais, Mazoubitani Solo, il y a. L'encadrement à la radio-télévision nationale, le rédévance, tout et tout. Expliquez-nous d'abord, si là, d'une manière générale, vous avez un domaine ni. Exactement. Nous avons plus de 55 filières de formation. Plus de 55. Plus de 55. Les métiers du présent et du futur. Très bien. Voilà. Je vais un peu prendre même 10. Même 10, même 5. Domaines. Voilà. Voilà. À la RTMC, nous formons un secrétariat informatisé. Secrétariat informatisé. Très bien. On n'a plus besoin de beaucoup chercher les documents, à classer trop de choses. Peut-être que les documents peuvent même se brûler. Okay. On n'a même pas de traces. Nous formons un secrétariat informatisé. Très bien. En rédévance, nous formons aussi à la RTMC. Beaucoup de Congolais se sont plaints. Oh, la RTMC a des images comme l'échographie. Nous sommes dit non, ce n'est pas ça. Voilà. Ce n'est pas ça, c'est un problème d'adaptation technologique. Mm-hmm. Nous formons aussi en technique de communication. Très bien. Mais aussi un métier que nous ne saurons pas dire parce que c'est de la technique. Très bien. J'ai dit aussi, par rapport à nos gammes de formation que nous sommes en train de faire, je demande vraiment que les entreprises viennent s'enquérir. Que les privés viennent aussi s'enquérir. Nous sommes là pour guérir les maladies des entreprises, mais aussi permettre aux jeunes Congolais d'intégrer facilement l'emploi. Mais lorsque vous dites que vous donnez des formations gratuitement, en retour, qu'est-ce que vous gagnez? Voilà, c'est la difficulté. Nous l'avons formé. Il y a aussi les gens qui nous ont accompagnés. C'est comme vous êtes là. Vous êtes déplacés vers nous. Très bien. C'est un grand sacrifice. Vraiment, je vous félicite.
parce que vous l'avez fait. Voilà, c'est notre travail, je crois que mesdames et messieurs, fouiller, chercher l'information, c'est vraiment dans la philosophie de notre travail. Kokenego puisaka, hein, information d'enfant font venir, talanet smakambo, nyoso toujours yokawa, kambo etali, information na ratia radio télévision nationale congolaise, makambo etali na ba entreprise minière, pourquoi pas na ba entreprise sous privée, ce sont de jeux. Et tout ça c'est pour lutter contre le phénomène banditisme. Les peuples d'abord. Donc je crois que le gouvernement provincial du Haut-Katanga, je crois que la ville de Lubumbashi, bah autorité, bah Bolanda émission, vous avez cette obligation d'appeler bah, responsables et entreprises, Sokina de Salimate, d'échanger avec eux, de voir de quelle manière la province peut accompagner, de voir de quelle manière même l'entreprise peut travailler aussi en partenariat avec la province, parce que je sais que la gouvernorat provincial, bah, problème paysanier, mais surtout l'administration. Vous le savez, même le conseil des ministres et incessamment, l'enterre et l'administration, la Katia, entreprise publique, la Katia, gouvernement, la Bissot, tout ça, lorsqu'il y a des experts, il y a des Congolais, des pères et des mères, des gens, gratuitement dans le cannabis, pourquoi mettre des barrières, je ne pense pas. Je sais que le gouverneur du Haut-Katanga, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui donne la facilité à la Bajen, c'est quelqu'un qui écoute le peuple et qui travaille surtout plus pour le développement de sa province, comme le chef de l'État le demande. Monsieur le gouverneur Jacques Kiaboula, ça c'est une demande autour de cette émission. Essayez un peu de charger même l'un de vos collaborateurs, je ne sais pas moi, directeur de cabinet, je ne sais pas moi, le ministre sectoriel, Namakabou, Mandegoto, Betina Bamoawa, et Kozaïlo, Komori, a bien pas batté, Baza Moussala, Moussala, Moko, immense, ou Balobiawa, que Mokota Zaïna Sima, Nabango, Loko, la Ménoire, Wago, Pesamo, Mokizanaba, cotisation, Nabango, Moko, Ezanaba, Batoua, bonne foi, ou Bazaïko, comprendre Moussa, Bazaïko, ça, la pour soutenir. En tout cas, cher coordonnateur, manager, coup de chapeau, continue, je crois que Bissotorosa, la paix est fort, on a un message, ils ont la véhiculé auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui réitère encore la confiance dans Bissobage pour venir, et ça, il y a l'obité, il y a Bissobage à venir, et ça, il y a l'élo. Donc, on doit se tenir debout et on va vraiment faire cet effort-là de booster cette émission pour qu'il y ait des droits, Batoubal en gouvernement. Un dernier mot, Batounio Sobanadi Bisso. J'ai dit à tous les jeunes. Katanga en particulier, et toute la jeunesse congolaise et africaine en général, de se tenir main dans la main. Très bien. Ici, là, c'est une grande vision. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous puissiez venir au sein de la corporation, car il y a des places. On a besoin de vous. 1 plus 1 donne 2, 1 moins 0 donne toujours 1. Très bien. Nous-mêmes, nous ne ferons rien. Aux autorités de la province du Haut-Katanga, nous avons besoin de votre accompagnement. Très bien. Car cette mission essaie d'aider la province d'avoir l'élite. L'élite, la crème de la crème. Mais pour qu'on ait la crème de la crème, il faut la trouver chez Sila. Je crois que Sila est à mesure de former des futurs ministres, des futurs premiers ministres de ce pays. Et nous avons besoin que le gouvernement provincial, de son instance, M. Jacques Kiaboula, puisse aussi nous retrouver. Si là, c'est une grande entreprise, nous avons besoin de vous. Nous avons aussi besoin de votre engagement en tant que père de la province. Monsieur le président de la République, nous avons besoin de votre main forte. Prêtez si là, main forte, parce que si là, fait un travail de titan. Nous croyons que ce message va vous arriver. Monsieur le président de la République, merci. J'étais en train de dire l'intérêt de la formation, c'est un investissement à long terme. Pourquoi? Parce que ça vise à faire des performances de la société, par conséquent, la croissance économique. Pourquoi? Parce qu'un employé forme une nouvelle pratique des professions et de ces évolutions d'un employé dans le cadre de la performance qui permet à l'entreprise de rester compétitive et dans son secteur. C'est pour cela que je demande à toutes les jeunes de ne pas demander, mais de fabriquer le travail
pour que les autres jeunes puissent travailler et se auto-former. C'est le message que je vais donner à tout le monde et je vous remercie. Merci à l'assistance du coordonnateur, monsieur le manager, toute l'équipe des SILA. Je crois que c'est par ici que nous mettons un point final autour de cet entretien. C'était très important pour parler des SILA. Vous attendez des SILA un peu de partout. Tout le qui est vraiment la ville de Lubumbashi, les Kabomote, sans pour autant que je m'appelle SILA, mot de tête à tête. Et ça, la banine, et puis ça, la nini déjà pour la banane école. En tout cas, mon quoi qu'on soit la bino, tout ce qui est toujours branché, scotché, la télévision la bino, bout de ce qui est là, mon wanda quoi. Au revoir.